Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle 24 heures, ça commence. Nouveau 24 heures, je vais manger exactement ce que la personne devant moi mange, donc je vais commander la même chose que la personne devant moi. Aujourd'hui, pour cette journée, je vais aller au Val d'Europe. Val d'Europe, je sais pas si vous connaissez, c'est grand centre commercial à Marne-la-Vallée. Il y a également la Vallée Village là-bas, mais moi je vais pas aller à la Vallée Village, hein. Non. À la base, je voulais trop aller au Starbucks. Et je me suis dit, Mimi, c'est bon Starbucks, c'est du vu revu. Arrêtons le Starbucks. Du coup, je vais aller au Columbus Café. Columbus Café, je sais pas si vous connaissez, c'est pareil, c'est une chaîne de café, quoi. C'est un peu comme le Starbucks, j'ai envie de vous dire. Ça fait très très longtemps que j'y suis pas allée. J'y suis allée il y a 4 ans. 4 ans de ça, et j'ai pas remis un yep là-bas, les gars. Pas du tout, en 4 années. Bon, allez, c'est parti, on va manger. Vamos a comer! Je suis arrivée au Val d'Europe. Comme vous voyez, le Columbus, quoi, carrément. Le Columbus, il est juste en face de moi. Ah, j'allais traverser. Bonjour. Alors, je vais vous prendre exactement la même chose que la personne devant là. C'est ce qu'elle a pris. Ouais. Attention à ce genre de... Un jour, vous parlez de l'histoire, il faut faire très attention à ce genre de formulation. Ouais, on va arrêter cette histoire, elle sort du dessus. Non. C'est vite fait. Alors, si vous n'êtes pas pressé. Non, ça va, je suis pas pressé. Alors, c'est l'histoire d'un homme. Voilà, qu'est-ce que... J'aime les surprises. Ah, en plus, toi aussi. Ah ouais. Ah. Personne de devant moi, elle a pris un... Désolé, je vais parler fort parce qu'il y a de la musique et tout. Elle a pris un chai latte au lait de soja. Jamais goûté. Ah ouais. Ça sent la cannelle. Mmh. Et du coup, elle a pas pris à manger. Et vu que je suis une grosse mangeuse, j'ai demandé en fait à la personne de me choisir quelque chose. Donc elle a fait le choix, mais le meilleur choix du monde. Pain perdu, chocolat, éclat de noisette. En plus, le monsieur qui m'a servi, qui m'a fait le chai latte, il m'a dit c'est pour une vidéo YouTube. Oui, monsieur. J'aime pas trop. Sorry. C'est très spécial. Ah, c'est spécial, c'est sucré. Je trouve. Attendez, je vais regarder ce que c'est. Très sucré mélangé avec du masala dans du lait bouillant d'une casserole. On parle d'ailleurs de masala chai. Franchement, je suis désolée, j'aime pas. Petit déj terminé, vu que j'ai plein de choses à faire, je me suis pas trop attardée. J'ai mon chai latte, je sais pas si je vais le finir. Franchement, c'est... Je sais pas, en fait, j'aime pas, il y a un goût que j'aime pas. Je pense que c'est thé noir, je suis pas hyper fan. Je suis un peu déçue parce que la personne juste après, elle a pris un cappuccino. Mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Bon, allez, c'est parti, je vais faire les magasins pour les cadeaux de Noël. Bon, bah, à tout de suite pour le repas de ce midi. Personne juste là à emporter. Il y aura un tiramisu avec. Du coup, je vais vous prendre le tiramisu. Donc les personnes devant moi, elles ont commandé 4 fromages. Boisson à l'orange sanguine. Tiramisu avec une part de pizza au Nutella. Voilà, 27 euros ça m'a coûté. Presque non, 28 euros. 28 euros. Il fait chaud de ouf. C'est un truc de ouf. Oh non, mais elle a l'air incroyable. La pâte. Oh my god. Les gens me jugent. Me regarde parler à ma caméra. Nous sommes constamment jugés dans ce pays. Bon allez, je mange une deuxième part.
c'est parce que c'est vous. Je la trouve incroyable. En fait, c'est la pâte, elle est incroyable. Bon, j'ai fini ma pizza. Je vais chez ma mère là, donc je vais manger le dessert chez ma mère. Donc la pizza était très très bonne, mais je trouve que ça vaut pas le prix quoi. Enfin, 14,90. En gros, t'as 4 grosses parts. Je sais pas, je me rends pas compte, j'avoue, mais ça veut dire que si tu prends une pizza entière, tu payes 30 euros. Attends, c'était malade. Moi, je mets pas 30 balles dans une pizza, il faut vraiment qu'elle soit exceptionnelle. Après, elle était super bonne, je dis pas, mais je trouve pas que ça vaille le prix. Je sais pas, je me rends pas compte, j'avoue. Je mange pas très souvent de pizza. Donc là, je vais goûter le tiramisu. Ça va faire concurrence à ma mère, parce que ma mère fait des très très bons tiramisu. Est-ce qu'il est meilleur que celui de ma mère? Le biscuit est bien droit, la crème est bien droite. C'est homogène, proportionnel. À chaque fois que je mange un gâteau, j'ai envie de vraiment de faire comme Cyril Lignac, tu vois. Ah, il est très bon, mais je préfère le tien. Ah bon? Parce que c'est au café. Parce que toi, je trouve que... Mais non, mais le café n'est même pas fort, tu vois. Tu le sens à peine. Ouais. Mmh. Et pourquoi tu préfères le mien? Dans la crème. En tout cas, il est très bon quand même. Hein. Il n'y a pas à dire. Tu l'as acheté où? À Old Europe. Mais où? Tu sais, où il y a Primark et tout, t'as les petits restos. Autour? Mmh. Dedans, au milieu? Ouais. Ah oui. Hein? Mmh. Je pourrais jamais m'empêcher. Tiramisu, validé. Je vais goûter ça aussi là. Tu manges pizza et un tiramisu mélangé? Bah ouais. Non pizza, mais je goûte. Ça, non mais c'est une pizza au Nutella. Ah. Je le disais aussi. Mmh. La pâte est bonne. Moi attends, je vais te montrer des bottes. Dis-moi ce que t'en penses sur moi. Ah là on voit. Ah bah oui ça te va bien. Je trouve que ça me va bien. Mais oui ça te va. Mais j'ai l'impression que je suis trop petite pour ça moi. Non ça te va. Les amis, je suis rentrée à la maison et j'ai une triste nouvelle. Je ne vais pas goûter. Non, je suis trop au bout de ma life là. J'ai froid, frisson, mal de tête. Enfin je suis malade quoi. Quand je suis pas bien, j'adore me faire un chocolat chaud. Ce que je vais faire, parce que nous sommes une semaine avant Noël. Et j'ai regardé aucun film de Noël. Mais genre zéro quoi. Ça va être Netflix. Voilà. On adore. C'est la base. Nous sommes le soir et je vais aller au McDo ce soir, j'ai trop envie d'un Domac. Imagine, je tombe sur une commande là pour 6 personnes. Je suis toute seule à manger ce soir, je fais comment en fait? On va aller au drive et bah, je vais commander ce que la personne devant moi a commandé. Ah, j'ai peur. Bon, voici la voiture qui a le destin de mon repas de ce soir entre les mains. Choisis bien mec, je crois que c'est un mec. Je crois qu'il commande vraiment beaucoup. Ah ouais, attendez. Je vous pose. Je vais prendre la même chose que la personne devant, s'il vous plaît. Exactement la même chose. Tout pareil. Donc un Victus 600 Tom Cruise. Oh mince. C'est pas. C'est censé être une surprise. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Mais non, mais il est trop mignon. Du coup, j'ai été payée et il m'a dit désolé et tout. Je suis vraiment désolée. Je dis non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Mais trop, trop mimes quoi. Franchement, trop sympa. Les gens au McDo, ils sont toujours trop sympas. Voilà, je tenais à le dire. Big up les personnes qui travaillent au McDo. J'ai été spoil du Big Tasty sans tomate. Voilà, le monsieur du McDo m'a gentiment spoil. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas, j'aurais dû lui préciser de pas me dire, c'est de ma faute. Oh oui, des chaussettes! Oh my god, des chaussettes. Eh mais je suis trop... Merci d'avoir pris les chaussettes. Merci, vous savez pourquoi? Parce que déjà je suis en manque de chaussettes. Regardez, j'ai une chaussette blanche. Une chaussette bleue. Tellement je suis en déche de chaussettes. J'essaye de prendre des petites paires par-ci par-là. Ça m'a coûté 12 euros. 12 euros le menu. Oh, elles sont canons. Oh. Mais c'est quoi? C'est des skis? Oh, c'est des skis. Oh, des sapins, des skis. Mais non, je suis trop fan. Ensuite, il a pris... Oh.
Mais je l'aime ce mec. Vous savez qu'il prend exactement la même commande que moi. Non mais attendez, je vous jure c'est pas du fake, c'est incroyable. Le petit wrap. Mais ceux qui, franchement ceux qui ont vu ma vidéo McDo, vous savez que le petit wrap c'est ma life. Il a pris des potatoes, je prends tout le temps des potatoes, mais tout le temps. Potatoes. Non mais attendez, c'est incroyable la coïncidence. Il a pris exactement la même chose que moi. Et le Big Tasty sans tomate. Alors il faut savoir que je prends, alors, j'espère que vous allez me croire parce que là c'est trop beau pour être vrai. Je prends tout le temps, mais systématiquement. Donc je prends le Big Tasty et j'oublie tout le temps d'enlever la tomate. J'enlève la tomate, je la donne à mon chéri. Tout le temps. Le mec, attendez, mais c'est un double de moi. Et là s'il a pris le Coca. Ice Tea. C'est très bien, c'est très bien. Il manque une chose très importante pour moi, la sauce barbecue. La sauce barbecue, c'est... Vous savez même pas comment je suis trop contente du menu, là. Je suis trop contente. Oh, les potatoes, mais c'est ma life. Vous savez, dans la sauce comme ça. Sauce creamy, base. J'aimerais trop trouver le mec qui a commandé ça. Si la personne est là, manifeste-toi. Le Big Tasty... C'est mon sandwich préféré. Mais genre, mon sandwich préféré de tous les temps. Je crois avec le Deluxe. Je suis en kiff. Alors, dites-moi en commentaire s'il y en a beaucoup qui prennent ce menu. Regardez-moi ça. Ce wrap. Oh non! Non! Non, arrête! 200 balles? 200 balles, un médecin généraliste? On paye 25 euros? McDo terminé, j'ai kiffé! Merci monsieur d'avoir commandé ça, merci! Mais j'ai des danses de l'abonné à faire? Ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait! La danse de l'abonné pour Wasila, Shania et d'autres encore. La danse, c'est pour vous! J'ai mis mes chaussettes aussi, regardez. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait cette danse. Je suis trop contente de la faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, Molly? En tout cas, à ton avis, ça a plu à nos chers abonnés. La petite vidéo, ça plaît. Ça plaît aux abonnés. Bah, abonnez-vous, plein d'amour. Love you, love you, love you. A très vite pour une prochaine vidéo.